un équipement de sécurité qui est là, pour les... qui va s'interfacer entre l'hôpital et Internet. D'accord. Mais ce qui est encore plus intéressant, cet équipement va permettre de faire l'interconnexion, éventuellement entre les hôpitaux, pour le partage des fichiers directement, de manière sécurisée. Déjà, c'était très compliqué, avec, mais là, voilà, ça me permettra d'avoir des données beaucoup plus fiables et avoir et des relations pointues avec l'université. Ce matin, nous avons constaté un soulagement au niveau des chefs de service. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des efforts dans le réseau local qui était là, mais c'est sans commune mesure avec les équipements de dernier cri qui ont été mis. Et l'accessibilité et l'accès a été fortement amélioré. Donc ça s'est vu au niveau de l'expression de contentement. Et ça va se répercuter sur le travail, parce que vous savez que Kaouak est à plus de 200 km de Dakar. Les documents, le travail que le ministère nous demande du point de vue administratif, c'est suivant l'Internet qu'on l'envoie dans nos adresses mail, etc. Des fois, vous pouvez demander un document, on vous dit que l'Internet ne marche pas. Maintenant, je pense que tout cela est derrière nous. En plus de cela, il y a le volet médical et la recherche, les étudiants que nous recevons. Tout cela, il y aura une facilitation à l'accès à la bonne information. Parce que tout le système hospitalier s'arc-boucle sur la gestion informatique. Ici, on a un logiciel de facturation, mais également l'hôpital est interconnecté à travers un réseau où il y a des données médicales qui sont dans le réseau du logiciel hospitalier. Et ils nous ont permis, à travers cette dotation importante, de relever le niveau de connectivité, mais également le niveau de collaboration entre l'ensemble des services. Et ça également, nous saluons Enabel d'avoir eu le génie de penser à doter cette structure-là d'outils numériques de qualité. Enabel fait partie de la Team Europe et nous sommes très fiers de mettre en œuvre un projet qui s'est voulu être une réponse rapide suite à la crise Covid. Alors bien sûr, qui dit digitalisation du système de santé dit travail en profondeur, dit projet structurant. Et donc, je suis très fier d'avoir vu aujourd'hui quand même des résultats en moins de 8 mois dans cet hôpital de Kaolack. Et personnellement, je pense que c'est dû aussi et surtout au leadership très très fort de Madame la directrice de l'hôpital de Kaolack. Vraiment très touché par l'engagement de la directrice et du personnel, du corps médical et des assistants administratifs qui participent à la vie de cet hôpital. Et j'ai pu voir l'impact du projet sur la santé numérique qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel, l'agence de coopération belge, de manière à favoriser l'immersion du numérique au cœur de l'hôpital. C'est un effort qui est collectif, mais surtout c'est un effort qui permet au personnel administratif et médical et aux patients d'être dans de bien meilleures conditions qu'avant la digitalisation. Nous avons travaillé à mettre en place les fondamentaux pour permettre cette digitalisation. Ces fondamentaux, c'est premièrement renforcer les capacités techniques du personnel de santé afin qu'ils puissent appréhender et être des utilisateurs avertis de l'outil numérique qui va leur permettre d'utiliser de façon efficace et efficiente l'ensemble du système numérique qui pourrait être déployé. Donc, 107 agents ont été formés au sein de l'hôpital régional de Kaolack. À la suite de cette formation, nous avons accompagné l'hôpital à renforcer son pack informatique. Donc, des équipements informatiques ont été donnés à l'hôpital régional, mais aussi à 15 structures de santé au total dans les 3 régions. Et donc, ces équipements informatiques devaient permettre ou ont pour but de permettre aux agents et au personnel intervenant sur le parcours de soins d'avoir les outils nécessaires pour collecter, pour traiter et pour partager l'information sanitaire nécessaire pour une bonne prise de décision dans le système de santé pour la digitalisation. Et troisièmement, il fallait permettre à l'ensemble des structures de l'hôpital de pouvoir communiquer, de pouvoir communiquer de façon efficace et rapide parce que la prise de décision
est un élément nécessaire et urgent pour pouvoir prendre en charge les patients. C'est dans ce sens que l'informatique sanitaire a été améliorée, que l'infrastructure réseau filaire comme Wi-Fi a été complètement modernisée, mise en conformité suivant les standards internationaux.